Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que ça va, là j'ai mis le flash parce qu'il fait assez sombre dans ma pièce. Je suis dans mon salon. Donc je voulais vous faire une petite vidéo. C'est une vidéo que je ne vous ai jamais faite. Voilà, je vais baisser un peu ma télé. Je regardais Sissi. Je regardais Sissi à la télé. Ça fait des dizaines de fois que je l'ai déjà vu, ce film, mais j'aime bien. C'est ringard, je sais, mais bon, j'aime bien. C'est de mon époque, hein, que voulez-vous. Donc, c'est une vidéo que je vous ai encore jamais faite. Et j'essaye de me mettre... Alors, je vais mettre ça là. Voilà. J'essaye de me mettre, enfin, au bullet journal. J'ai du mal. C'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre, mais bon, j'essaye de m'y mettre un petit peu à la fois. Donc j'ai commencé ça cette semaine. Bon, pour être franche, je m'inspire hein, de ce qu'il y a sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube, voilà, sur Facebook aussi, je m'y inspire. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas les idées pour ça. Autant je peux être créative pour beaucoup de choses, que là, pour le bullet journal, j'ai du mal. Mais j'ai envie d'en faire un. Donc je suis en train de m'y mettre. Bon, j'ai pas encore fait beaucoup de pages, hein. J'en suis à 10 pages, je crois, pas, même pas. Ouais. Et donc, le bullet journal que j'ai pris, d'ailleurs, il y a encore le... Je l'ai acheté depuis un petit moment, c'est celui-là, hein, vous connaissez, c'est celui de chez Action, voilà. Donc bon, déjà avec celui d'Action, on a déjà des petites idées au début qui donnent des détails, comment on peut faire les pages. Donc ça, c'est bien parce que ça nous donne déjà une idée. Voilà. Bon, un peu ici pour les livres. Bon, moi j'aime pas beaucoup lire, donc ça m'intéresse pas. Ça, je l'ai repris, je vais vous le montrer après. Pour les calendriers aussi, les agendas. Voilà. Ça, je l'ai repris. Donc, ça, je l'ai refait pour le mois de janvier. Donc, je vais vous le montrer. Et, donc, voilà. Donc, là, j'ai commencé par la page index. Voilà. Et je voulais faire des dessins moi-même, mais bon, je sais pas, en ce moment j'y arrive pas, je tremble un peu en ce moment et donc je n'arrive pas à dessiner. Donc je me suis dit bon, je vais pas m'embêter, pour l'instant je vais faire avec des stickers. Et donc j'ai repris des stickers, ça va peut-être vous dire quelque chose. Là j'ai redescendu que les pages de stickers, voyez, c'est les petits blocs luxe de chez Action. Donc j'ai descendu ça pour l'instant. On verra après. Donc là, page index. Donc j'en ai laissé plusieurs, bien sûr, pour après, au fur et à mesure, si j'arrive à le continuer. Voilà. Je vais réussir à les tourner. Voilà. Et là, donc, j'ai commencé une page case, donc pour les clés. Donc, je ne l'ai pas terminée. Là, vous voyez, j'ai commencé à vouloir la dessiner à la main. Et bon, bon, sent à peu près bien, mais bon. Mais cette page-là n'est pas terminée. Alors, la première page que j'ai voulu faire, c'est un challenge épargne. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent.
Le challenge épargne, on essaie de se mettre de l'argent de côté. Alors, moi, ça va être quelque chose de très difficile pour moi, mais je veux essayer de le faire. Donc, on commence en janvier jusqu'en décembre, mais on peut commencer au milieu de l'année, hein, jusqu'au milieu de l'année d'après, par exemple. Mais donc, le challenge se fait sur un an et on met de côté toutes les semaines. Donc, si on commence en janvier, la première semaine, ça, sur un calendrier, c'est la semaine 1. Donc, la semaine 1, on met 1 euro de côté. La semaine 2, on met 2 euros de côté. La semaine 3, on met 3 euros de côté, etc. Donc, par exemple, quand vous arrivez en juin, la semaine 23, cette semaine-là, vous devez mettre 23 euros de côté. La semaine 24, 24 euros de côté, etc. Et donc, le plus difficile, c'est les dernières semaines. Donc, les dernières semaines, par exemple, ben, on va arriver tout de suite au dernier mois. Le mois de décembre, par exemple, la 49e semaine, il faut mettre 49 euros de côté. La 50e, 50 euros de côté. La 51e, 51 euros de côté. Et la 52e, 52 euros de côté. Mais bon, on n'est pas obligé de vraiment suivre comme ça. Ce qu'il faut, c'est que sur l'année, vous ayez réussi au minimum avoir mis 1378 euros de côté. L'année correspond à cette somme-là. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre. Alors, j'avais calculé. Alors, vous pouvez faire aussi par semaine, par exemple, 26,50 euros, je crois, toutes les semaines. Si vous voulez faire toujours la même somme. Ou voilà, si vous arrivez par exemple à faire par exemple 100 euros tous les mois, c'est pareil, vous aurez 1200 euros tous les mois, bon, et il restera 78 euros que vous devrez, vous mettrez, partagerez un petit peu sur les autres mois, voilà. Le but, c'est d'avoir réussi, le challenge, c'est d'avoir réussi à mettre de côté 1378 euros. Et avec cet argent-là, ben, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous faites un petit plaisir, ben, vous payez une facture. S'il y a une facture qui passe au mauvais moment, à ce moment-là, voilà. Le challenge épargne, c'est ça. C'est de mettre 1378 euros de côté pendant un an. Donc, se servir de cette année-là pour mettre cette somme-là de côté. Donc, à la base, je dis, on met. L'argent de côté, la semaine 1, on met 1 euro. Ah oui, ce que j'ai pas pris à côté de moi, je me suis acheté un bocal pour mettre, pour moi visualiser l'argent que je vais mettre de côté. Je vais vous le chercher. Alors voilà, alors vous allez me dire, c'est déjà de l'argent que je ne vais pas vous mettre de côté. Ouais. Mais bon, je ne l'ai pas payé cher. J'ai payé 1,99 €. Voilà. Je l'ai eu chez Zeman en Belgique, mais je pense que Zeman en France, ils les ont aussi. Vous voyez, il est grand quand même. Et donc, je l'ai pris en verre. Alors, Chouchou, tout à l'heure, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, je lui ai dit, c'est pour mettre des sous de côté. Alors, il a rigolé. Il me dit, toi, mets des sous de côté. Merci, chouchou. Et il me fait bêta. On a une tirelire à la maison. Je fais, ouais, on a une tirelire, mais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'avais acheté une tirelire l'année dernière à Action. Vous savez, il y avait des tirelires avec des semilés dessus. Mais c'était une tirelire qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et on avait eu besoin de l'argent qu'on avait mis dedans. Et donc moi j'avais pris l'ouvre-boîte et je l'avais ouvert par le cul de la tirelire pour qu'on puisse récupérer l'argent. Donc la tirelire, le fond de la tirelire est ouvert maintenant.
Donc voilà. Donc là, non, j'ai voulu la prendre comme ça, transparente, parce que comme ça, je vais le voir. Et puis, Chouchou le verra aussi. Et puis comme ça, ben, je me dirais, non, je ne peux pas y toucher à cela. Si je les vois, je dis, si j'y touche, ben non, j'ai perdu mon challenge. Voilà. Donc, dans celui-là, ben, voilà. Donc, je dois mettre 1378 euros. D'ici le 31 décembre. Voilà. Alors, je vous montre ma page que j'ai fait pour ça. Voilà. Donc, j'ai fait le petit calendrier. Et à côté, vous voyez, j'ai fait le bocal. Alors, le bocal, j'ai fait avec les 50 euros. Donc, si je peux plutôt faire avec des 50 euros, voilà, je ferai avec des 50 euros, c'est pareil. Et vous voyez, j'ai commencé à décorer donc avec des stickers. Voilà. Et donc, dans le bouchon, j'ai marqué 1378. Et là, avec les 50 euros, on n'est qu'à 1200, je crois me rappeler, ou à 1300. Donc, il reste un petit peu dans le bouchon à mettre. Voilà. Donc ça, c'est ma page challenge épargne. Ensuite, j'ai fait ma page janvier. Donc, voilà. Oups. Voilà, j'ai fait ma page janvier. Donc avec le calendrier comme ça. Là, j'ai fait une page anniversaire. Donc c'est l'anniversaire de mon petit-fils. Un carré pour mettre des notes. Ma to-do list. Donc moi, ma to-do list, c'est plutôt pour mettre les choses que je dois faire, surtout importantes. Et là, donc, je reporte les dates avec les rendez-vous importants que j'ai. Voilà. Et donc, j'ai remis des petits stickers aussi pour l'instant. Bon, un petit peu à la fois, peut-être que j'arriverai à mieux décorer. Alors, ceux-là ne sont pas finis du tout. Alors, un tracker, je vais faire un tracker soin ici. Là, soin, ça veut dire bah, peut-être pour surtout pour mes soins à moi. Les masques, tout ça, ce que je dois faire. Voilà. Et ici, c'est le tracker maison. Donc, pour savoir, par exemple, si le 2. Alors si j'ai arrosé mes plantes, fait mes orchidées, bon je le fais pas tous les jours, mais je sais que je dois le faire une fois par semaine par exemple. Donc je vais le cocher. Donc là je sais que le 2 je l'ai fait. Donc je sais maintenant que dans une semaine je dois les refaire. Voilà. Comme ça me permet de savoir à quelle date je l'ai fait et que dans 7 jours je dois refaire mes plantes. Voilà. Donc là, j'ai commencé, bah, j'ai marqué pour le détartrage, voilà, des choses comme ça, un peu, des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Ici, j'ai fait une page anniversaire. Donc vous voyez, moi, il n'y a pas beaucoup d'anniversaires, hein. On n'est pas une grande famille. Donc j'ai mis des stickers comme ça. J'ai fait une page avec mes réseaux sociaux. Donc là, c'est avec les nombres de mes abonnés. Donc je vais mettre tous les mois. Comme ça, je verrai la différence que j'ai tous les mois de mes abonnés. L'augmentation de mes abonnés. La diminution, si jamais. Voilà. Donc là, j'ai refait le logo de YouTube. Bon, il n'est pas terrible, hein. Voilà. Mais là, ma page anniversaire, j'aime bien. Et là, les deux dernières pages que j'ai faites pour l'instant, donc c'est sur YouTube. Donc les idées YouTube, les idées de vidéos. Donc là que je vais marquer. Donc là j'en ai déjà marqué trois. Et là j'ai mis un stickers for you, donc pour vous, les vidéos YouTube, donc que j'aurai tournées, que j'aurai filmées et mis en ligne. Donc une fois qu'elles seront tournées, je les mettrai.
Je marquerai le titre et une fois qu'elles seront mises en ligne, je vais cocher. Voilà. Comme là, celle-ci, une fois qu'elle sera tournée, je vais marquer le titre. Et une fois qu'elle sera montée et filmée, je vais cocher. Voilà. Là, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Là, le reste, il n'y a rien d'autre. Mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à avoir des idées pour mon bullet journal. Alors, si vous en avez un de bullet journal, n'hésitez pas à me donner des idées. Me donnez pas d'idées, genre liste de films à aller voir, de livres à lire, parce que ça, je ne fais pas. On va pas au cinéma. Les livres, je vous dis, je lis pour ainsi dire pas. Voilà. À part les films et les livres, vous pouvez me donner d'autres idées. Ce que je peux mettre dans mon bullet journal. Parce que bon, c'est vrai que je coince un peu. Et puis, ça m'intéresse quand même de m'en servir. C'est vrai, bon, je l'ai acheté, donc c'est fait pour m'en servir. Et voilà. Et puis bon, après, un petit peu à la fois, je pense que je le décorerai moi-même à la main. Mais là, en ce moment, j'ai du mal, j'ai un peu des tremblements dans la main, donc j'ai du mal à dessiner. Et dites-moi si ça vous intéresse, que je vous montre un peu au fur et à mesure. Ce que je fais dans mon bullet. Voilà, dites-le moi en commentaire et je vous montrerai si ça vous intéresse. Ah oui, je vous avais parlé l'autre jour donc de ça que j'avais acheté à Action, les gels, les feutres gels. Donc, je les ai essayés justement dans mon bullet journal. Donc voilà, ils se proposent. Enfin, ah, voilà, ils sont comme ça. Voilà, chercher un autre mot, mais je ne le trouve pas. Alors, ils sont très bien. Ils sont pas trop gros, pas trop fins. Et ils traversent pas le papier. Là, je vais vous montrer là où j'écris avec les feutres. Voilà, par exemple, la page anniversaire. Voyez, la page anniversaire n'est faite qu'avec ça. Vous voyez? Et regardez de l'autre côté, il n'y a strictement rien de qui a traversé. Donc, non, elle est très bien. Ah, il y a mon vieux pépère qui commence à pleurer. Je vais vous donner de ces nouvelles après. S'ils sont encore, vous les trouvez encore chez Action, il n'y a pas de souci. Je vous dis, pour l'écriture, c'est bien. C'est pas fait pour colorier, hein. C'est juste fait pour l'écriture. Donc, dedans il y a 10 métalliques, 10 glitters, 5 pastels et 5 néons. Oula! Hé, pépère! Attendez, il sait pas se lever tout seul de son panier. Bon, je vais juste le lever de son panier. Allez, mets bien les papates. Voilà. Maman, là, n'est pas pour longtemps. Oui, donc je vous disais, c'est juste pour l'écriture. Alors, de temps en temps, la pointe, quand vous commencez à écrire, vous voyez qu'il n'y a pas d'encre, mais ils sont un petit peu secs au début, mais après, bon, vous griffonnez un petit peu sur une feuille, et après, c'est bon, il y a de l'encre, il fonctionne bien. Bon, donc là, pour l'instant, ça va. Donc, je vais m'en servir surtout je pense, pour mon bullet journal et peut-être aussi sur mes planeurs. Donc, justement, j'allais vous montrer aussi pour mes planeurs. Donc, ça, c'est pareil, je ne sais pas quoi en faire. Donc, j'avais acheté ça à Action, vous vous rappelez, hein. Donc, je ne m'en suis pas encore servi. Je sais vraiment pas quoi en faire. Alors, j'ai peut-être envie de m'en servir celui-là pour faire mes comptes de la maison. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire avec celui-là pour l'instant. J'ai pas d'idée.
Vous, celles qui l'ont, bah dites-moi ce que vous en faites. Tiens, pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en avez fait. Je vais peut-être faire les comptes de la maison dedans, je pense. De toute façon, on n'a pas beaucoup de comptes à faire. On n'est pas Rothschild. Donc après, j'ai celui-là. Alors celui-là, c'est un Carpe Diem. C'est un 5. Et donc celui-là, bon, je sais pas, je ne m'en suis pas encore vraiment servi. C'est un qu'on m'avait offert. Et je n'ai jamais su qui me l'a offert. Donc pour l'instant j'ai mis des feuilles comme ça dedans et oui donc il n'est pas encore vraiment investi. Alors lui j'ai peut-être envie de m'en servir pour comme carnet de recettes. Voilà, je sais pas encore. Mettre mes recettes préférées dedans. Je vais voir. De toute façon, il faut que, pareil, je fasse des intercalaires, que, voilà. Parce qu'il y a une petite pochette aussi là. Bon, là, j'ai des papiers. Voilà, c'est tous les actes de naissance, tout ça, parce que je fais l'arbre généalogique de ma famille. Donc, j'ai pas mal de papiers qui sont là. Ça, il est retombé. Et viens là. Voyons. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour à la télé? Viens dire bonjour à la caméra. Voilà. C'est lui, mon vieux pépère, qui est malade en ce moment. Voilà. C'est lui. Hein? Et toi? C'est toi qui pleures. Enfin, qui crie surtout. Donc, on a été au vétérinaire. Et donc, le vétérinaire nous a dit qu'il avait comme une ostéoporose. C'est un autre nom pour les chiens, mais ça ressemble à l'ostéoporose que pour pour les humains. Et il a les muscles qui ont complètement fondu, donc sur le train arrière. Donc là, il a un traitement anti-inflammatoire pendant un mois pour voir si ça va. Alors, du coup, bon. On est content parce qu'il est rentré à la maison, hein, il est revenu avec nous. Mais il tombe encore pas mal. Mais bon, il faut attendre, hein, que le traitement fasse effet. Mais dans un mois, on verra maintenant. Il faut attendre que nous voir le traitement, ce qu'il va faire. Mais bon, Pépère a 17 ans. Hein. Ah, mon Pépère. Allez, je te remets debout. En plus, le docteur a dit, le vétérinaire a dit, faut il faut qu'il marche. Mais bon, faut qu'il marche, mais il tombe beaucoup, alors c'est pas facile. Alors, du coup, là maintenant, il faut le lever. Vous voyez, quand il est dans son panier, il crie. Donc, il faut le lever, il faut le faire marcher. Et puis, bon, des fois, bon, ben, il fait quand même pipi. Mais bon, on ne va pas le disputer, hein, c'est pas de sa faute. Donc voilà, pour celles qui voulaient justement des nouvelles de mon vieux pépère. Va doucement. En plus, quand il est debout, qu'il essaye de marcher, il essaye d'aller vite aussi. Donc, du coup, et après, il tombe. Voilà. Alors oui, donc voilà, t'es tombé. Bon, je vais attendre tant qu'il dit rien. Donc je vous disais, donc j'ai celui-là, le Carpe Diem. Donc, j'ai pas encore trouvé non plus vraiment de fonction. Je pense, je vous dis peut-être, un cahier de recettes ou je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Et donc, après, j'ai celui-là. Oups, avec son pompon. Donc, celui-là, c'est un Color Crush. Donc là, c'est un personnel. Alors lui, normalement, il est dans mon sac à main. Mais c'est pareil, je m'en sers pour ainsi dire pas. Donc là, j'allais le remettre à jour parce qu'il y avait encore l'agenda 2018 dedans. Donc je viens de l'enlever. Lui, par contre, est décoré.
Et donc là, je lui ai remis des feuilles. Je lui ai remis des feuilles d'agenda non datées. Voilà. Donc je vais voir. Mais lui, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans que je peux me servir. Donc je vais voir aussi. Celui-là, j'hésite. J'ai hésité plusieurs fois à le revendre. Mais donc on verra. Donc voilà, je vais vous faire cette petite vidéo donc sur mon bullet journal. Voilà, j'en avais un autre, hein. Il est là d'ailleurs. Oh, pépère. Mais il y a eu de l'eau dessus. Et donc là, du coup, je m'en sers comme brouillon seulement. Et donc c'est pour ça que j'avais racheté celui-là. Je l'ai remis debout. Allez, hop, debout. Debout, debout. Voilà. Et donc voilà, bah comme je vous disais, si donnez-moi des idées pour le. Oh, ça y est, il est retombé. Même pour nous, ça devient fatigant. Parce que la nuit, il fait ça aussi. Hein. La nuit, il fait ça aussi. Mais bon. Nous aussi, hein, il est comme nous, hein, il vieillit. Il y a mon pépère. Il y a mon pépère. Hop là, viens maman. Allez, debout. Mets-toi debout. Quand tu es debout, il faut marcher. C'est le docteur qui l'a dit. Il faut refaire du muscle. C'est facile à dire. Mais bon, à 17 ans, on multiplie par 7, ça fait déjà un sacré âge. Hein. Je sais pas. Bah non, le téléphone, je suis en train de vous regarder dedans. Alors, ça y est, il est retombé. Bon, bah, de toute façon, je crois que je vais devoir arrêter la vidéo pour m'occuper de lui. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon bullet journal, du début de mon bullet journal, en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner des idées, du coup, en bas. Pareil, donnez-moi des idées donc pour les deux autres, pour celui de l'action. Celles qui l'ont, qu'est-ce que vous en faites? Et puis là, pensez si j'en ferai un cahier de recettes ou qu'est-ce que j'en ferai? Ou un cahier de maison. Mais bon, si j'en fais un cahier de maison, le bullet journal sert déjà de cahier de maison. Donc voilà, je pense plutôt à un cahier de recettes ou. Parce que bon, le problème, c'est que comme je ne travaille pas. Moi j'ai pu voilà doucement j'ai plus de rendez-vous, j'ai plus toutes ces choses-là à marquer, à penser, à écrire. Moi j'ai pas d'enfant à la maison donc voilà, j'ai plus tellement de. Il fait 1 mètre, il retombe. Voilà, j'ai pas énormément de rendez-vous à noter. Moi, quand j'ai rendez-vous, c'est rendez-vous de médecin. Voilà. Donc, allez, donnez-moi des idées. Hein, je vous lirai, je vous répondrai. En même temps, là, je suis en train de vous monter une vidéo recette. Donc, tu vas réveiller les voisins, mon pépère. Je suis en train de vous monter une vidéo recette, donc je ne sais pas si vous aurez celle-ci avant la recette ou la recette avant celle-ci, mais bon, vous verrez bien. Allez, je vous laisse pour ce soir. Je vais me mettre en pyjama à prendre une douche parce que là, je suis une sale tête, m'occuper de mon pépère. Je vous fais à toutes de gros bisous. Et je vous dis bonne nuit, parce que là, il est tard, il est 22 h. C'est rare que je fais une vidéo à cette heure-là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, je vais m'occuper de mon pépère. Je vous aime toutes. À bientôt. Au revoir.